Shit, here we go again. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Ah là là. Oh, oh, vu. J'avais pas vu. Qui a vu? Vera, vu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, télétravailleuse, télétravailleur. Bonsoir. Ici Foils, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Parce que moi, oui, aujourd'hui, j'ai expérimenté ce qu'on appelle le télétravail. Et c'était foutreusement intéressant. Voilà. Je le dis. Vraiment, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Hein. Je crois même que j'ai honteusement pris goût au télétravail. Mais bon, voilà, ça, c'est un autre débat. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Donc, effectivement, comme vous avez pu le constater, il y a un petit changement. Mais ça, ce qui est tout à fait normal, après tout. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez les bails. Le programme est certes à titre indicatif, cela ne reflète pas exactement on va dire la réalité, puisque la réalité peut changer. Et effectivement, la réalité change, puisque bon, le télétravail à la base n'était pas spécialement prévu. Et donc, patatrac, le stream de 19h30 passe du coup à 18h05, 18h10, en mode YOLO, comme ça, à la frite. Donc voilà, hein, si jamais vous êtes retardataire, ne vous en faites pas, la VOD sera là, donc vous ne perdez pas, vous ne perdez rien. Parce que là, si jamais vous regardez la VOD, et je profite pour saluer YouTube. Au passage, hein, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, un petit tabou, hein, voilà. Donc voilà, donc, quoi qu'il arrive, vous ne ratez rien. Et je fais un petit peu durer l'intro sans trop la faire durer pour me laisser le temps de lancer Tomb Raider Underworld, puisqu'on va continuer nos péripéties sur Tomb Raider Underworld. On s'était arrêté la dernière fois sur on va dire le gantelet de Thor. On avait récupéré du coup ce fameux gant et on devait partir de la cité des côtes thaïlandaises. Alors c'est Avalon, je crois que c'était Avalon. Donc du coup on avait trouvé aussi ce fameux mécanisme, grâce au gantelet de Thor, on peut faire bouger tout ça. Et en fait il faut faire bouger ce petit bidule. Voilà, sous fond de musique épique, bien évidemment. Sur un fond de musique extraordinairement épique. Ah oui, c'est ça, voilà. Je me disais, mais attends, mais par où faut-il... par où faut passer? Tac. Hop là, voilà. J'ai envoyé un petit texto. Pardonnez-moi. Alors, du coup, il faut envoyer le... Non, non, Lara. Il est là, le truc, s'il te plaît. Voilà. Voilà, on en était là. Alors ça avait marché la dernière fois, ça avait marché, ce petit bug avait marché, mais là non, il n'a pas marché. YOLO, on va faire comme ça, donc on n'avait pas le temps de niaiser. Donc on s'était arrêté ici, hein, la dernière fois. Sous fond de belle musique épique. Donc on va pas se casser la bibine. À quoi qu'on est obligé de passer par là. Oh mon dieu! Mon dieu, mais quel abruti! Quel abruti je fais! Oh, excuse-moi. Excuse-moi doc. Mais j'arrive pas à avoir ce réflexe en fait d'initier la commande. Est-ce que tu as un moyen toi? Est-ce que tu as réussi à mettre un raccourci? Parce que j'avais mis un raccourci sur OBS, mais le raccourci ne marche pas. Il ne marche clairement pas. Et on est obligé toujours d'aller
Sur Il Famoso Wisebot pour l'activer. Je suis désolé, putain. Ah là 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 là, merde, quel mongol. Mais quel mongol, quel mongol, quel mongol. Ah putain, attends, je vais mettre. Tac. Pourquoi j'ai pas le truc? Oh putain, je panique et je fais du caca. Voilà, c'est ça que je voulais, la zone de notif. Hello, non, je vous demande, je mets on. Oh putain, je suis désolé. Tabouret, Taboure. Putain, mais ouais, non, mais c'est chiant en fait, c'est chiant parce que du coup, si t'es un mongol, si t'es mongol comme moi, bah tu oublies. Bon, Lara qui ne s'accroche pas, hein, qu'on salue au passage. Salut Mystérousse, salut, salut. Lara qui ne s'accroche bien évidemment pas, pour changer. Un live à droite, un live à gauche. Ouais, Dan, t'es toujours en live. Ah, la concurrence est rude, hein, ce soir. Alors, comment ça va? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ta carte graphique fonctionne? Alors là, ça, normalement, dans un Tomb Raider, elle ne le fait pas. Dans un Tomb Raider normalement constitué, elle ne tombe pas. Ah merde, une autre mise à jour, j'arrive. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ta carte graphique fonctionne? Est-ce que tout est bon? Parce que bon, normalement tout doit être bon, puisque là tu nous parles. Tu nous parles, donc tu dois être. Que j'ai vu que tu nous as envoyé cette magnifique photo. Non, elle veut pas tirer, non, elle veut pas le tirer. Je sais pas du tout comment faire là. La CG en place reste normalement la dernière mise à jour et tout est ok. Ah, bah nickel, ça, c'est bien ça. Voilà, nickel, nickel. Oh là là. Voilà, je sais pas si c'était. Je crois pas que ce soit prévu par le jeu en fait à la base. Cette mécanique n'a pas été prévue à la base, hein. À la toute base des bases, cette mécanique n'a pas été prévue par les développeurs. Ah, il y a une autre mise à jour ADL, je reste encore un peu. Ah, mais tant mieux. Tant mieux si tu nous fais l'honneur de rester, c'est très bien. Il y a un truc là-haut ou pas? Non, il n'y a rien. Du coup, ça a servi à quoi que je fasse ça? Ah, mais oui, que je suis bête. S'il faut, voilà, il faut s'accrocher. Donc voilà, c'est. Ah, j'oubliais aussi! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Parce qu'effectivement, et personne ne me le fait remarquer dans le chat, bravo! Bravo les gens, bravo! Le jeu est très sombre. Donc du coup, voilà, pour faciliter, pour vous donner une belle vue. Donc du coup voilà, comme je vous ai expliqué, du coup, attendez, hop, on met bien la caméra comme il faut. Donc du coup voilà, le jeu est effectivement bien sombre et du coup ça ne permet pas, vous n'avez pas la possibilité d'en profiter pleinement. C'est un petit peu dommage. C'est pourquoi j'ai fait en sorte d'appliquer un filtre pour que vous puissiez en profiter. De faire une autre récompense de points de chaîne, je suis à 12K. Pas vu la diff en 480. Oh putain, enfoiré. Ce tacle gratuit. Ce tacle gratuit est petit ailé. Ah, c'est petit et scellé, ça, monsieur Doc. Putain. Donc, faut-il.
Je sens qu'on va s'éclater sur ce passage. Je peux pas l'attraper. Ah, mais je crois comprendre un truc. Je crois comprendre un truc en fait. Là, je fais tout à l'envers. Ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, Lara, s'il te plaît, arrête de faire la courge. Ça va me casser les couilles, hein. Ça va vraiment me casser les couilles. Hein. Vraiment. Je sais pas comment passer de manière, on va dire, legit. C'est malheureusement buggé. Là, je pense. Normalement, la logique voudrait que j'attrape le truc en fait. Que je le tire. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est clairement ça. Sauf que le jeu ne me donne pas la possibilité. C'est tellement. Il est tellement pété. Tellement pété que non, en fait. C'est la logique voudrait que tu le chopes en fait. Merde. Non, évite de tout casser, s'il te plaît. Bah ouais, tu dis non Lara, tu dis non mais si. C'est ça en fait. C'est ça parce qu'à la base les développeurs ils ont pas. Ouais, ils ont pas pensé à au fait qu'on aille. Fait qu'on aille là-bas en fait. Putain, mais ça me casse les couilles, ça me casse les couilles parce que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, quoi. Sur la Xbox, je m'étais régalé sur ce passage, franchement, c'était un passage épique. Et là, j'ai l'impression que, ouais, j'ai l'impression que tout est gâché, en fait. C'est vraiment tout gâché. Parce qu'en fait, il faut aller là. Là, avec le grappin, normalement, tu vas de l'autre côté. Ah, j'étais hypé, puis là, là, non, c'est entaché de bugs. Ah putain. J'arrive pas à refaire ce putain de truc. Putain. Mais pourquoi elle fait ça, cette conne? Voilà, fais ça plutôt. Et si on passait par là directement, si on faisait ça? Non. Non. Lol. Nope. Je vois pas. Là vraiment, je vois pas trop. Bon alors c'est ça. J'ai rien dit. Ah, vous me connaissez, je suis pas du genre à râler pour rien. Voilà, non, vraiment, je suis pas comme ça. C'est honteux. Je suis pas comme ça. Ah, putain, sérieux, c'était ça en fait là. C'était ça l'astuce. Je peste sur le jeu, mais c'est vrai qu'pour ma défense, il est bugué. Il est bugué, y a pas à dire, il est bugué. Et quand je vous dis qu'il est bugué. David, écoutez-moi. Quand je vous dis qu'il est bugué, il est bugué, hein. C'est une réalité, hein. Bon, c'est bien, c'est qu'on revient là déjà, c'est cool.
Donc on est là. Voilà, hop là. Attends, on n'est pas des Indiana Jones, nous ? Doselec pose 45 grosses bites. Merci pour tes grosses bites, Doselec. Merci, merci pour tes bites. Merci pour ces bites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, c'est très gentil. C'est très gentil. Ça sent la personne qui vient d'avoir sa carte graphique. Là, comment je pourrais faire? À moins qu'il faut que je pousse de l'autre côté, peut-être. Maybe. Non, j'arriverai jamais, en fait. J'arriverai jamais. Je voulais être à zéro pour pas être tenté. Ah, tu voulais être à zéro. D'accord. Quel homme. non, c'est pas là du coup. Non, c'est pas comme ça. Je crois pas que ce soit comme ça. Non. C'est pas ça. C'est pas ça, ça doit être de l'autre côté. Ah, mais c'est tout un art. Hein. Alors c'est peut-être là, non? Ça, on revient là où on était en fait. Hein. Non, en fait, il faut que. En fait, non, c'est bien de ce côté en fait. Voilà, là. Là, non. Donc là, Ok. Donc là, si je pousse là, ça va rien faire. Je vais me mettre... Ouais, je vais me mettre à peu près à ce niveau-là. Après, je pourrais avancer encore un peu, mais après, je vais être banané. Je vais être complètement banane. Voilà. Parce que là, je vais faire ça. Et là, pour le coup, je suis complètement carotte, en fait. Là, je suis... Ah non, je suis pas carotte, donc ça va. Parce que là, je veux grimper, en fait. J'aimerais grimper. Voilà. Là, au passage, on va récupérer le petit secret, là, qu'il y a là. Puisque nous y sommes. Hein. Le Galet 4G en PLS, pourquoi donc? Pourquoi donc, le Galet 4G en PLS? Pourquoi donc? Pourquoi tu dis ça, le Galet 4G en PLS? Pas du tout, là, il est bon. Il est sta bueno le lavabo. Je vais juste monter par contre le débit. Ah ouais, 316. Oh putain, ouais. Pourtant non, je suis bon. Là, j'ai monté le débit. Et quand tu arrêtes de bouger, ça va. C'est un troll, c'est un troll. En ce moment, c'est vraiment un troll. C'est vraiment un gros troll. Donc là, normalement, je devrais être hyper saccadé.
Voilà, donc là, on va aller là. Hop là, voilà. Ah non, mais le Galek AG, c'est un gros troll. Hein. C'est un gros trollinou, en fait, ce petit Galek AG. Le Galek AG fait beaucoup de blagues. Tu bouges dans un film de cube, tu t'arrêtes 720p. Oh non, mais c'est un gag ce galet. C'est vraiment un gros gag. Ah, si je bouge ça, peut-être que. Y en a là-dedans, hein. Il y en a là-dedans. Non, je comprends pas d'où, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, j'ai augmenté les paramètres. Hein, j'ai augmenté les paramètres. Ça a l'air d'aller. Là, j'ai pas de rouge. Je suis pas en rouge pour l'instant. Je suis pas en rouge. Ah. Apparemment, je ne suis plus Thor, c'est fini. Je me demande comment il faisait pour le recharger. Je suis plus Thor. Non, maintenant je suis tordu. Plus un pantin. Ah, je suis plus un pantin, croix de bique. Ah. Oh là là, OMG. Ouais, mais il faut pas que j'aille dans l'eau en fait. Si je comprends bien, l'eau est caca. Ah non, il y a un secret. Pourquoi la Rail Queen est... Voilà. Allez là, on y croit. Oh, le fail! Oh non, ce gros fail! Putain. Voilà, alors là on va descendre, voilà, à la lisière de l'eau. Voilà, la mise à jour est installée, je reviens, yes, ça roule. Profite bien du coup. Ah, profite bien. De toute façon, tu verras la différence. Salut Popilé, oh incroyable. Tu es de retour. Tu es de retour. Allez là, cette fois, c'est la putain, c'est la pas bonne. Elle est pas bonne, mais elle est pas bonne du tout, putain. Putain, Lara, allez Lara, s'il te plaît, arrête la raclette. Peut-être comme ça. Bah non. Bah non, c'est un peu nul en fait. Voilà, s'il te plaît Lara, arrête un petit peu de faire la gourde. Et ne passe pas à travers les rochers aussi, s'il te plaît Lara, ça suffit. Lara, je vous demande de vous arrêter. Non mais oh.
Est-ce qu'elle est au même niveau que la... Parce qu'autant en fait je fais ça, autant je fais tout ce cinéma pour rien en fait. Autant il faut faire ça. Merde. C'est pas ça. Je pense qu'en fait c'est un truc de merde. Je pense que c'est clairement un gros truc de merde qu'il faut faire. Un peu plus haut. Non, on va descendre un peu plus bas. Voilà, et prendre l'élan. Mais je rêve, elle est en train de monter. Mais elle est en train de monter, cette courge. Putain, mais elle est en train de monter, cette courge. Mais c'est pas possible. Putain, mais quelle est casse-burne. Ah là là. Comment faire pour passer ce putain de passage? Ah, ne me dis pas non, Lara. Ne me dis pas non. Allons. Comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire? Réfléchissons deux secondes. J'ai failli y arriver. Hein. Bah, putain, mais ouais, mais elle fait sa vieille! Mais elle fait sa grosse vieille là! Putain, mais c'est fou ça, c'est fou. Putain, en temps normal, t'y arriverais. En temps normal, t'y arrives. Et là, non, Mamie Croft. Oh, et bonjour, c'est Mamie Croft. Oh, les enfants, allez, venez prendre un petit bonbon à l'aftaline. Oh, alléluia. Bon. S'il te plaît, pas de fail. Je prie tous les dieux pour ne pas fail. Parce que j'ai pas envie de me retaper cette merdasse. Donc là, ça ouvre le passage. Voilà. Merde, non, non, descend. Descend, voilà. Monte. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Mais apparemment il devait peut-être y avoir une cavité d'air. Ah oui, il y a une cavité d'air. Monte. Mais quelle courge. Mais quelle est courge, sans déconner. Donc là, attention. Hush. Attention là, le... Je voudrais changer d'arme, s'il te plaît, Lara. Ah non, mais évidemment, j'ai pas d'autre arme. Hein. De vulgaire flingue. Donc là, ça y est, je suis sorti, on est d'accord. Voilà, ça y est, nickel. Voilà, impeccable. Une carte, mais mon père l'a détruite. Eh bien, comme quoi, les chiens ne font pas des chats. Oh, les chiens ne font pas des chats. Oh lol. Empêcher Natla de tout découvrir. Ah. Je suis sûr qu'il a gardé une trace de tout ça, sans oublier qu'il a trouvé l'autre gantelet de Thor. Où est-ce qu'il est? Juste sous ton nez. Ah, ça veut dire qu'il est dans le manoir.
Ah merde, je peux pas régler le volume. Parce que là, le volume de la musique est. Enfin, le volume des voix, enfin, le volume, surtout le volume de la voix de Lara, est très bas. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait comme bruit ? Non, mais attends, non, mais. What ? Mon père a mis la main sur toutes les reliques de Bogavati et a détruit les informations qui auraient pu conduire à Helheim. Mais il a laissé un indice que moi seul pouvais comprendre. Il a dû découvrir quelque chose de très dangereux pour détruire un site archéologique de cette importance. Qu'est-ce qu'on met comme tenue ? Alors, tenue normale pour la jungle, tenue légère pour la jungle ou la tenue des contracts ? Alors, on va mettre un petit peu on va mettre la tenue des contracts. J'aimerais un fusil d'assaut. Normal, en plus, bon, c'est pour le manoir, hein, c'est normal. Mes excuses, Miss Croft, mais je ne me suis pas occupé de la critique. Pourquoi est-ce que tu ne nous as jamais parlé de ça ? Ben moi, j'aurais préféré rien savoir. Vous savez, je vous attends ici. Ah. Je t'avais pourtant prévenu pour ta musique à réveiller les morts. Les modèles 3D qui sont dégueux. Ah, ils sont vachement dégueux. Oh la vache. Mon dieu, qu'ils sont pas beaux. Oh, ça, ils accusent un petit peu le coup quand même. Quelle ambiance. N'empêche, c'est le kiff ça. C'est pas mal ça. Le fait que mon père ait signé avec ses trois initiales désigne clairement mon grand-père. C'est pas mal ça, tu te fais enterrer chez toi, c'est pas mal ça. J'aimerais me faire enterrer dans ma maison. Faire une crypte chez moi, c'est cool. Oh, mon père est dédaigneux d'un homme plein de ressources. Il était surtout plein de moulaga pour mettre un système pareil dans la crypte. Pour mettre un système pareil. Ouais non, franchement. Oh putain. Oh la vache, et creuser comme ça, il a pas pris une pelle et une pioche quand même pour faire ça tout seul. Mais non, mais Lara, calme-toi, je sais que tu es à fond les bananes. Mais quand même, s'il te plaît. Non, on peut pas grimper par là, évidemment, il faut agripper les poteaux. Elle aime bien monter sur les piliers. Alors. Waouh. Elle a la classe. Hein. La classe, hein, franchement, ouais, les prémices d'Assassin's Creed. Hein. Et Assassin's Creed n'a rien inventé. Clairement. Assassin's Creed Tomb Raider Edition. Bon, par contre, Lara, il faudrait faire un petit peu le ménage. Hein, parce que c'est vraiment le bordel. Oh, oh mon dieu. Ah, je vous dis, fusil d'assaut pour défoncer toutes ces araignées. Quoi ? Ok, d'accord. D'accord. Donc ça ouvre ce mécanisme. Parfait. On récupère les petits secrets. Vous connaissez les bails. Je suppose qu'on peut grimper. Oui, on peut monter, bien sûr. Voilà. On va aller ici. On va aller par là. Oui, Lara, bien sûr, la main dans le vide. Oui. Ah oui, bah, c'est un concept. Hein. C'est un concept comme un autre.
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça que c'est ? C'est un objet. C'est une valise. Oui ! Oui, Lara, oui ! Ceci est une chute mortelle. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va réessayer, hein. On va réessayer, mais sans la chute mortelle cette fois-ci. Oui, toujours la main dans l'invisible. Qu'est-ce que l'invisible ? Selon vous, qu'est-ce que l'invisible ? Voilà, est-ce que l'invisible est visible ? Est-ce que l'invisible est visible, mais est-il indivisible ? Moins blanc que blanc, je ne doute. Ça doit être gris clair, comme dirait l'autre. Re-doc-e-lec. Justement, puisque tu viens d'arriver, on se posait justement la question sur l'invisible. Qu'est-ce que l'invisible d'après toi ? Est-ce que l'invisible est visible ou est-ce qu'il est invisible mais indivisible ? Ou est-ce qu'il est divisible ? Mais visible. Et il y a beaucoup de théories là. On théorise beaucoup sur la chaîne. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris par ça ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Monsieur Dokelec ? Non, Mademoiselle Croft, voilà, s'il vous plaît. Récupérez le bâton. Le planté de bâton, Madame Croft. Le planté de bâton. Ouais. J'ai entendu des bruits. Là, il y a... Voilà. Je pouvais pinguer à côté. Je reste dans l'ombre, j'ai des choses à faire à la maison. Ah, c'est-à-dire, nous souhaitons tout savoir. Nous souhaitons tout savoir et absolument rien payer. Nous sommes comme ça, voyez-vous. La bouffe, le ménage. Ah ! Mais monsieur, vous avez les sous pour vous payer une super carte graphique. Vous n'avez pas les sous pour vous payer une femme de ménage ? Et un cuisinier ? Sacre bleu ! Parce que oui, je balance, Doc Elec s'est acheté une belle petite 3080 Ti dans le plus grand des calmes. Et c'est mérité. Nope, j'ai pas de femme à la maison malheureusement. c'est les petits bémols, hein. Mais demain je vais chercher un... Une 4. Ah, tu vas chercher un chat ? Ah, fais gaffe parce que les poils de chat, ça va... Moi je dis ça, je dis rien, mais ça va... Ça va pourrir ta carte graphique, hein. Ça va pourrir ton ventilo, hein. Attention, hein. Je sais pas ce que je fais avec ce bâton là, voilà, je sais pas ce qu'il faut que je fasse hein, avec ça. Mais non, t'inquiète, justement. Pas pire que mes cheveux, oui c'est pas faux. Ah oui, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. D'accord, ok, oui, normal. Lara passe à travers. Hein. Lara Majax qui passe à travers les piliers, les planches.
Oui, Lara, je t'ai pas demandé de faire ça, mais c'est pas grave. Je t'ai juste demandé de grimper sur la poutre. Elle fait LMH. J'ai pas la ref. J'ai pas compris. Je crois que vous essayez de communiquer, monsieur. LFELMH. J'ai pas compris. LFELMH. Oh putain. Ah, elle fait. Oh putain. Et toi tu fais bugger le Garekadje parce que là c'est devenu rouge. Elle fait les ménages. Oh putain, oui. J'ai oublié des lettres. Ah bah oui, je comprends mieux parce que ouais, sinon j'avais pas la ref en fait. C'est Michel pas la ref. Allez, gigot, yes, gigot d'agneau. Je reste dans l'ombre, t'inquiète. Ah bon, ça va alors. Alors ça va. Tu fais comme Poppy là où tu restes dans l'ombre. Parce que je sais qu'elle est là, je sais qu'elle nous regarde, je sais qu'elle nous entend surtout. Mais elle ne répond pas. Elle ne répond pas à mes appels. Allez Lara, allez, on y croit. Allez, oui, bravo. Voilà, donc là, oui, oh là là, ça c'est la grande classe. Oui, retourne-toi s'il te plaît. Voilà, donc du coup, le bâton de berger que j'ai laissé là-bas. Ah putain, sérieux ? Putain, je peux pas recommencer au checkpoint parce que là j'ai fait une connerie là. Là j'ai fait une belle connerie là. Parce qu'effectivement oui, les cubes, il faut les prendre. Ça va déclencher le mécanisme. Non Lara, voilà, merci Lara. Parce que le cube là, il déclenche que dalle. Putain, non ça va, j'ai pas fait une connerie, ça va, j'ai pas fait une connerie au final, j'ai pas fait de connerie. Ça va, c'est rattrapable, c'est récupérable. Là, par contre, il me faut juste le deuxième cube en fait. Il me faut le deuxième carré. Il me faut le deuxième carré que je n'avais pas fait gaffe. Hein. Le petit carré qui était là-bas. Putain. Mais quel mongol. Mais quel mongolo je fais. Non Lara, putain, je t'ai pas demandé de sauter. Putain, je t'ai demandé de grimper quoi. Putain, mais ça c'est les problèmes récurrents de ces jeux, hein, que ce soit ça, Assassin's Creed, c'est pareil. Les persos ne font pas ce que tu leur demandes.
T'appuies sur grimper. Ça ne marche pas. Voilà, merci Mademoiselle Croft. Eh ben putain! Là, il y avait pas un petit Kiri là? Non, il est là-bas le petit Kiri. Ouais, ouais, il doit être. Eh, il est là-bas le Kiri, ouais. Là, attrape-le. Bon, c'est bloqué. Ok. Bon, bah, cherche pas. Hein. Ne cherche pas midi à 14h si c'est bloqué. Ça, c'est complètement Keblo aussi. Là, je suppose que c'est bloqué. Ouais, c'est complètement pété. Ah, ça, par contre, j'avais pas vu. Ça, j'avais pas vu. Oh, vu, j'avais pas vu. Donc là, on fait le tour, c'est ça. Et la pertinence de faire le tour. J'ai fait le tour. Pertinence d'avoir fait le tour. Bah, y'en a pas. Là, y'a un Kiri, voilà. C'est là, il me semblait bien qu'il y avait un Kiri, un autre Kiri. Mais bon, comme le jeu est un petit peu buggé. C'est bien évidemment le carré qui... Le carré qui glisse, voilà, donc là c'est bon, nickel. Je peux récupérer du coup mon bâton de berger. Et je vais pouvoir le remettre parce que comme un mongol, je me trimballais avec. Mais il y avait aucune utilité de le mettre là-bas. C'est ça le problème. T'sais, il fallait le mettre là. Voilà, il fallait grimper là. Oh putain, c'est sérieux, c'est pour un petit secret en plus. Oh mais putain, mais merde quoi, tout ça pour ça. Putain, mais c'est pas sérieux là. Allô? Voilà, merci. Non, sérieux, juste pour un petit secret quoi. Oh non. Oh, je suis deg. Je pensais que ça allait être un truc assez pertinent quoi. Je pensais qu'il y avait vraiment la pertinence high level, tu vois, mais non, même pas. Donc là, peut-être qu'il faut jeter le Kiri. Peut-être qu'il faut jeter le Kiri. On va voir comment on peut le jeter déjà. Non, Lara, s'il te plaît. Oui, bah oui, 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 bah oui, oui, bien sûr. Nine! Je vais le jeter! Mais putain, mais jette-le, bordel de merde! Mais putain, mais qu'est-ce que c'est codé avec le cul, ce jeu? Mais c'est pas possible, ça! Trop si codé avec le cul, voilà, c'est ça, putain! C'est incroyable, ça! L'input qui marche pas, quoi! Non mais je veux bien, mais... Voilà, hop là! Là du coup il faut faire avec tous les Kiri en fait.
Ah, faut que tu poses. Je veux que tu poses ce Kiri, voilà. Ah oui, oui, bien sûr, bah passe à travers, je te dirai rien, Lara. Oui, bien sûr, passe encore à travers, je ne te dirai rien. Voilà, comme ça, on fait bugger le Kiri. Et voilà. Ouais, ça passe tout seul. Hein. Voilà, on va mettre le troisième Kiri ici. Non, je demande de le poser, s'il te plaît. Non, pose-le dessus, s'il te plaît. Est-ce que tu peux le poser dessus, s'il te plaît? Voilà, sans le faire bugger. Et là, il va falloir qu'on reproduise les formes. Donc là, normalement... Alors, il faut faire ça, peut-être que les formes y sont déjà. C'est ça, ok. Bif au mètre carré, hein, mais pourquoi pas. Donc là, non, celui-là, il faut qu'on le remette. Non, il était bien. Voilà, et c'est celui-là. Non, il est trop gros. La deuxième forme devrait aller. Et voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir tourner le truc. Je vais peut-être pouvoir tourner le cruc. Ah, il y a un temps limite, ok. Et là, comment faire ? Ok. D'accord. Oh ! Mais... Saloperie ! Non mais oh ! Oh, je ramasse des trucs. Oh, il y a encore des petits secrets. C'est cool. Des tout petits secrets. Encore un petit secret. Oh, bah, c'est génial. Non, mais dans ce jeu, sans déconner, il y a des. Il y a 3 secrets au mètre carré en fait. Un mètre carré, t'as 3 secrets. Le gant! C'est le gant! Bonjour, Lara. Dans cette pièce se trouve tout ce que nous avons récupéré à Bogavac. Il est trop fort, son père. Pour atteindre Avalon. Les Nordiques croyaient que ce site recélait une arme puissante, et pour éviter qu'une personne mal intentionnée ne s'en empare, j'ai détruit la carte d'origine. J'espère que ce n'était pas une terrible erreur, mais si c'est le cas, j'espère que ta mère et toi pourrez un jour me pardonner. Il est trop fort. Franchement, le bureau de son père, quand même, enfin le bureau. T'imagines? Bon bah, je vais à mon bureau, hein. Tout le bordel qu'il faut faire pour aller dans son bureau, sans déconner. C'est... Chérie, à table! J'arrive.
Mais... Ah. Ok, normal, normal, des espèces de créatures comme ça, normal, ok. YOLO quoi. Donc c'est ça les trals, ok, bon super. Non papa, c'est bien ce que tu as dans ton bureau, hein, des espèces de... Je sais pas, des espèces de chiens fantômes. Ah mais ça je peux le prendre. Ah mais je suis trop fort. Ah mais comme je suis trop fort. J'ai la puissance de Thor. Ah, ah d'accord, et c'est... Ok. Ah c'est un gouffre, ok. Ah bah c'est sympa tout ça. Donc là on va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc lol, le jeu m'a trollé, m'a complètement trollé. Il va falloir que je passe par le haut, non ? Non mais c'est pas grave Lara, c'est pas grave, c'est pas grave, lâche-toi. Il faut savoir lâcher prise Lara, le lâcher prise. Tu ne sais pas ce que c'est que le lâcher prise Lara, c'est très simple. Faut juste lâcher, tout simplement. Alors là, phase casse-couille. Non, ça va. J'allais dire, face super casse-couille. Jean-Micheline Casburne. Voilà, donc là ça va. Jusqu'à présent, tout va bien. C'est même un peu trop bizarre que tout aille bien. Ah oui, des bugs de texture. Hein. Au passage, bien sûr. Ça n'a pas duré longtemps. Tant pis. Ouais, mais t'en as deux, Lara. T'en as deux. Ça, c'est cool. Donc là, on a un petit secret, je suppose. Ah, ben bien sûr. Eh, le petit secret, hein. Voilà, hein. Le secret qui est très secret. Là, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Bonjour. Oh. Ah, et c'est la fameuse scène d'intro. Ce qu'on avait fait en début. Tour de flamme, mon dieu, OMG. Lara. S'il te plaît, Lara. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries, juste deux secondes. Voilà.
Normal, hein, mon manoir est en feu, mais lol, l'énigme. Non, non, là faudrait évacuer en fait. Hein. Là, ok, je vois pas. On va pas faire ça. Ah bah c'était bon. YOLO. Là Non pas trop non plus. Y a les flammes Lara. Pas déconner non plus, va pas se jeter dans la gueule de l'incendie. Là c'est safe. Oui, et c'est là où il va me tirer dessus. Attention, arrêtez. C'est Lara, je sais. Attends. Jette ça, Zip, ou je te descends. Quoi? Pour que tu me tires encore dessus? Ce n'était pas Lara. Elle n'aurait pas incendié sa propre maison. Elle était dans la chambre forte. C'était forcément elle. C'est ça qui s'est passé? Quelqu'un a fait sauter la porte? Bon. Admettons que c'était pas toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui te ressemble vachement a ouvert la porte à l'aide du scan rétinien. Impossible. Exactement. Que s'est-il passé ensuite? Tu as... Enfin, elle s'est enfuie avec la pierre spectrale d'Amanda. Où est Alistair? Nous ne l'avons pas revue. Je vais regarder la vidéo de sécurité dans la salle de contrôle. Vous deux filez d'ici avant que le toit s'effondre. Normal, hein. Voilà, bon, on va regarder une vidéo YouTube, hein, pendant que ma maison est en feu, hein, voilà. YOLO. Non, écoutez, on va faire ça, hein, on va regarder une petite vidéo YouTube. Voilà, comme on peut le voir, hein, c'est très en feu. C'est très en feu. La maison est on fire. Ah bah ça réchauffe, hein. Là, je sais pas quoi faire. J'ai pas d'indication là. J'ai pas d'indice. J'ai pas de gros indices là. Que je peux pas grimper là normalement, c'est ça se casse. Allô Lara, est-ce que tu peux grimper sur des trucs, je sais pas, faire des trucs de faire des trucs normaux quoi, Tomb Raider quoi, je sais pas. Je sais pas. Avant que le toit s'effondre, ouais, bah. Ah merde! C'est en train de cramer! Non, je sais pas en fait, je ne sais pas. À part la faire cramer, je pense qu'il faut grimper, mais grimper comment? Parce que cette triple andouille ne veut pas grimper. Ah bah là maintenant ça y est, elle veut grimper. Non mais vraiment, mais c'est vraiment une courge, hein. Sans déconner, oh. Tu sais qu'on fait tout ça chez nous, hein. On fait tout ça comme ça.
C'est vrai, c'est très courant. Ah. Bah dis donc. Alistair. Ça va pas du tout. Ne dis rien. Oh bah super. On se reverra. Alistair, accroche-toi. Reverra. Bah voilà. Voilà, voilà. C'était quoi ce truc? Je n'en ai vu qu'un autre avant aujourd'hui. Un sosie que Natla avait lancé à mes trousses il y a des années. Mais il ne réfléchissait pas par lui-même. Ah bah super! Comment Natla a-t-elle pu l'envoyer si Amanda la retient prisonnière? Elle forme une sorte d'équipe. Amanda et Natla, sa petite déesse Atlante. Qu'est-ce qu'on va faire? Je m'occupe des autorités. Et je vais récupérer la ceinture de Thor dans le sud du Mexique. Quoi ? Normal, hein ? Et toi, tu veux faire comme si de rien n'était ? Il me faut la ceinture de Thor pour avoir son marteau. Et il me faut ce marteau pour tuer un dieu. Tout va bien, mais tout va bien ! Formidable. Et il va pas y avoir d'enquête ou quoi que ce soit, hein. Non, pas du tout, hein. Et concernant la mort d'Alistair, il y aura pas d'enquête non plus, par hasard. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Qui suis-je pour dire quoi que ce soit, hein. Je ne suis qu'un simple gueux, après tout. Mais voilà. Normal, hein. Alors, je comprends pas pourquoi je suis à 256. Tac, je vais augmenter les cabettes, voilà. Alors, comme c'est la jungle, on va lui mettre une tenue légère pour la jungle. Alors, qu'est-ce que je veux comme fusil? Je veux un fusil d'assaut, comme d'hab. Hein. Classico. Les photographies de mon père révèlent la position de... Oh, je ne sais pas. Ah, génial, on est en moto. Pas mal du tout. Parce que là, ça sent le piège à plein nez. Ah, vous la sentez venir, la grosse carotte, là ? Alors, on va monter, on va faire ça. Hop là, voilà, par là, comme ça. Comme ça, voilà, comme ça, on va monter par là,
Voilà, merci Lara, s'il te plaît, monte. Voilà, hop. Yop, et hop. Et tu montes, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, merci, s'il te plaît. Hop, oui. Par contre, comment je fais pour sortir de là? Ah non, dis-moi pas que c'est... Dis-moi pas que... Ah si. C'est les phases de wall jump. Ah, il m'a fait peur ce con. Je croyais que c'était dans la salle. Mais pas du tout. Je croyais que c'était dans la salle. Ah, j'ai eu peur, putain. What the fuck? Ah, c'est la moto, ok, j'ai eu peur, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, m'a fait flipper ce connasse de panthère de merde. Maintenez-la pendant les virages pour déraper. J'ai entendu quoi? Ah, mais putain la salope! Salut Arca, salut! Putain de panthère de merde! Elle est pas rose celle-là! Mais du coup, je peux les écraser! Aïe. Ok. Donc certes, je peux les écraser, mais je peux me faire bouffer aussi, parce qu'on est en moto, on n'est pas en quad. Alors. J'ai raté quoi? J'ai entendu rager. J'annonce sub goal avec pour défi une épilation intégrale faite par ma femme. Sérieux? Sérieux, ton sub goal ça va être ça? Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout ton sub goal. Hein. Épilation intégrale faite par ta femme, et on veut voir ça. Hein. On veut voir ça en live. Hein. Ah! Il y a des gens qui sont morts, je vois des gens qui sont morts. À combien le sub goal? Oui, c'est ça, à combien le sub goal? Ouais. Telle est la question. Telle est la question. Je sais pas trop encore. Non, mais tu la sens la carotte là de ce sub goal? Ah, j'entends. J'entends le chat de Doc Elec. Je vais pas commencer trop, sinon il sera jamais atteint. Ouais, voilà, c'est pour ça. Tu as ça la 40 arrivée là? Le sub goal inatteignable? J'en ressens. C'est le bon sens sub et let's go. Quoi que tu me diras, j'avais mis un sub goal à 40. Ça a été atteint. Ça a été facilement atteint. J'en avais mis un à 70. Du coup, je l'avais monté à 70.
Et ça a été atteint aussi. Mais à la fin, je crois que j'étais monté à 4. Enfin, mon record, je crois que c'est 80 subs ou un truc comme ça. Je crois que j'avais. À la fin, quasiment tous les followers de la chaîne étaient subs. On en était arrivé quasiment là, quoi. Tu commences fort avec une épilation quand même, j'avoue, franchement, c'est pas mal. Et les 5 jours restants étaient les jours sans nous. Les Mayas croyaient que chaque année, lorsque les jours sans nom arrivaient, les portes de l'enfer s'ouvraient. Ah! Donc les portes de l'enfer, c'est ça. Mais j'avoue que tu commences toi avec une épilation. Ouais, j'avoue, là, c'est pas mal. Donc ça ne tourne pas. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Bon, c'est bloqué, c'est complètement kéblo. Surtout que Doc connaît mon corps, MDR. Oh ! Il connaît ton corps ? Non, parce que ça après. Peggy 18. Voilà. Ah là là, Doc connaît ton corps. De fond en comble. Tu m'en diras tant. Un fils d'immigré parce que portugais. Oh la vache. Ouais, qu'est-ce qu'il avait lui? Il avait un bug. Bon, par contre, il y avait un petit grou-grou. Mais bien de l'est. Pourquoi le chemin mène là-bas? Pourquoi il y a un chemin qui mène là-bas? Oh putain, vous la voyez la carotte arriver là? On fera ça tout à l'heure. Est-ce du Portugal, c'est la Roumanie. Ah là 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 là. Mais pas mal, pas mal du tout là le sub goal. Moi en fait le sub goal c'était Sailor Moon. C'est pendant un mois Sailor Moon et après pendant un mois Monsieur Indestructible. Autant dire que le Sailor Moon c'est fait. Ça c'est fait. J'ai malheureusement pas atteint le mois. Le costume n'a pas tenu. En plus, il puait sa mère le costume. J'ai beau le laver, ça pue, il puait sa race. Ah voilà, j'allais dire, mais mets la tête. Donc il faut faire ça, et peut-être que là, ça le débloque. Faut pas chier dedans aussi, même. J'avais beau le laver ce putain de costume. Il sentait la mort, quoi. Ah, c'est un truc de fou. Donc là, si je mets ça comme ça. Là, je mets ça comme ça. D'accord, donc ouais. Alors là. Donc il faut que je les aligne en fait, il faut que j'aligne les planètes. Voilà. Comme ça. Là. Je fais comme ça. Là. Du coup.
Ah non. Alors, il faut que je le mette, il faut que je le tourne bien de ce côté. Et là, normalement, là. Voilà, et là ça va faire clac. Donc là, ça va être, comme dirait chef Michel Dumas, ça va être super nickel. Voilà. Allez, je file au chinois. Bis, yes. Bon appétit. Bon appétit, bon chinois. Régalez-vous bien. Voilà, donc là, on fait comme ça. Et là, normalement. Oh la putain de sa race au pixel près quoi, putain. On met ça comme ça. Putain, mais il est pas sérieux ce putain de jeu là. Comme ça, donc là normalement je peux, voilà, je peux le décaler, donc là normalement on est bon, là on devrait être bon. Ou pas. Oompa Loompa. Ah si, putain si. Donc là avec la moto. Waouh. N'empêche, franchement, les Mayas étaient forts à l'époque. Donc là, vu que je ne peux pas passer, concrètement, je ne peux pas passer. À moins que je puisse faire ça, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'astuce soit celle-là. Je pense qu'en fait, il faut que je prenne la bike. Que je me casse de là. Et là, abracadabra, il va y avoir une panthère. No spoil. No spoil. Véridique, no spoil. Mais bon, voilà. J'entends un petit agrougrou. Y a rien qui pop. Y a rien qui pop. Tu dis, attends, c'est quand est-ce que je vais me faire bouffer? C'est comme là, tu entends encore le gros. Ah, ok, on peut passer sur le côté. Ah, c'est bon à savoir ça. Donc là, ça nous mène où? Oh, que je suis peur, je croyais que c'était un gros monstre. C'est-à-dire, oh le gros monstre. Eh non, ça nous mène là! Ça nous mène là! Et voilà, mais là, regardez, il y a plein de secrets là. Si on les ramasse pas. Voilà. Parce que là le jeu il va dire gna gna, t'es pas à ramasser les secrets. Gna gna les secrets. Les petits secrets, t'es pas à ramasser les secrets. Donc là, il faut qu'on aille là. Yeah. Oh, oh. Ah, ça c'est la classe. Oh.
Ah, j'ai tué. J'ai tué. Chef. Allez. Allez, salut la panthère. Non, mais on va se calmer. Ouais, non, mais Lara, s'il te plaît. Ouais, c'est pour que tu vises à côté, ça sert à rien. Merde! Ah! Quel mongol! J'ai mis une bombe! J'ai mis une bombe sticky. Là, et voilà. YOLO. Ah, mais c'est clairement YOLO là. Là franchement c'est YOLO la pastèque hein. Putain, mais c'est souvent les gunfights de merde. Et je me rappelle j'en avais un petit peu chié à l'époque sur Xbox. Sur la Xbox, je me rappelle que j'avais un petit peu chié. Ouais, un petit peu chier. Un pépène. Ah, un pépène, ouais. Merde. Ah, je vais faire une petite roulade. Ça va pas marcher. Je voulais faire un pépène et petite roulade. Ah, je vais dire allô là. Voilà, merci. Et voilà, et un pépène. Donc là, il manque quelque chose. Ou peut-être pas. Je pense qu'en fait il manque quelque chose. Une chose que je n'ai pas récupérée. En fait, il faut que je rajoute quelque chose. Et ce quelque chose, voyez-vous, je ne l'ai pas. Et ces messieurs ne l'ont pas non plus. Je vais aller voir là-bas. On va aller retourner du coup Hop là, on voit du holo. Ça passe. Comme une lettre à la poste. Là, je voulais aller là. Peut-être qu'il y a le fameux objet qui manque. Peut-être qu'il y a le fameux objet.
Peut-être qu'il faut passer par le haut, je ne sais pas. Et non lo sais, non lo sais et non lo sais. Oh, c'est rouge. Ça lag. Bon, on va attendre que ça revienne. J'adore quand ça me casse les burnes comme ça. Quand le boîtier 4G me casse les couilles. Putain, toi aussi, me casse pas les couilles, cigarette. On va baisser un petit peu. On va baisser un petit peu à la sortie. Ouais, je vais mettre à 350. Hop là, voilà. Et comme ça. Ah, être comme ça. Et peut-être qu'il va moins s'affoler. Peut-être que Baise va moins s'affoler. Ça a l'air d'aller. Ah. Ah bon, on va le laisser se démerder hein. Ah les bons petits gunfights. C'est à ce moment là où la licence Tomb Raider est un petit peu partie en cacahuète. Ils se sont dit, ah c'est cool, les petits gunfights, c'est pas mal, c'est l'avenir. Alors que pas du tout. Alors que c'est avec les gunfights qui se sont salement vautrés hein, sur les reboots par exemple. Moi c'est ce que je reproche vraiment dans les reboots, c'est espèce de séance gunfight. Alors certes, par contre il y a beaucoup d'énigmes. Ça on peut pas le reprocher hein. Sur ce jeu, il y a beaucoup d'énigmes. Mais ce qui manque cruellement sur les reboots, malheureusement. Mais après, ça, c'est assez anecdotique. Il faut dire que ça reste assez anecdotique, mais bon, voilà, ils ont quand même rajouté un. Ouais, ils ont rajouté un peu plus de gunfight comme ça, mais c'est vrai qu'il manque des trucs au nouveau, mais le scénar est stylé. Ah, le scénar, je dis pas, le scénar est stylé, mais clairement pour moi, c'est même plus un Tomb Raider, c'est un Uncharted. C'est clairement un Uncharted version féminin en fait. Ils ont voulu coller à l'expérience Uncharted. Ils se sont dit c'est génial, c'est cool, c'est ce qui marche. Mais sauf que Uncharted, c'est Uncharted. Tomb Raider, c'est pas pareil. Ah, tu peux pas. Tu peux pas te permettre ce genre de choses. Après, ce qui marche chez l'un ne peut pas spécialement marcher chez l'autre. C'est comme si, admettons, moi, Fouals, je faisais vraiment du contenu. Je faisais vraiment du contenu d'Okelec. Comme si je faisais vraiment exactement la même. Enfin, la même. Comme si je m'inspirais, mais vraiment, mais sans me cacher, de toi, de A à Z. Enfin, de A à Z dans la manière, dans tout. C'est exactement la même chose, tu vois. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu vois, il y aurait un petit peu là, il y aurait le même contexte. Mais c'est pas ça. Ouais, c'est là tu dis merde, c'est là tu dis putain, mais en fait c'est une copie quoi, c'est vraiment une copie. Merde, c'est une copie et au final.
quand tu, enfin, tu as creusé, ouais, tu creuses un petit peu et tu vois, on va dire, la supercherie. Tu dis merde, mais attends, mais on voit les ficelles, on voit les grosses ficelles. Et c'est ce que je trouve avec le reboot de Tomb Raider. On voit les grosses ficelles. Alors après, je me suis arrêté vraiment que au premier, celui de 2013. Je n'ai pas fait Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Je ne les ai pas fait. Je les ai. Non, maintenant je les ai clairement. Je les avais. J'avais déjà Tomb Raider et Shadow et Rise of the Tomb Raider, pas Shadow. Mais ah bah ouais, ils sont là en fait, ces trucs. Ah putain, c'était là les salauds. Donc là l'autre il doit être caché. Il doit être caché quelque part. Donc voilà, c'est voilà, la version Wish, c'est un petit peu ça, ouais, c'est Alors c'est joli, hein, y a pas à dire, c'est très joli. Je trouve ça très joli, hein, y a pas à dire. Non, je ne critique absolument pas la direction artistique, elle est loin de là. Mais pour moi, c'est reboot Tomb Raider. C'est des grosses copies Uncharted. Hein. Pour moi, c'est vraiment des grosses Uncharted. Hein. Arrête de faire ça, Lara, putain! Je veux monter. Voilà. Oh putain, c'est pas vrai ça. Quel casse-couille! Non, c'est des grosses copies Uncharted. Alors certes, c'est plus beau. C'est joli. Je dis pas qu'Uncharted est moche. Loin de là. Mais voilà, on sent vraiment toute l'inspiration, quoi. Les mecs, ils se sont pas foulés, quoi. La Square, ils se sont dit, allez hop, on va mettre du gunfight parce que le gunfight c'est cool. On va mettre du multi aussi parce que le multi ça fait vendre des copies. Alors, ils avaient tenté de faire un multi sur le premier Tomb Raider. C'était nul à chier. Mais alors c'était nul à chier. Lara, c'est de l'autre côté s'il te plaît. Ma cocotte, c'est de l'autre côté. Voilà, merci. Ouais, ils se sont dit on va se faire un petit multi histoire de. Et au final, bon ben voilà, bon on a eu ce qu'on a eu, hein, voilà, c'est. Il y en a qui aiment, je respecte, attention je respecte. Et comme je dis, je n'ai pas encore fait Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Je pense qu'on les fera en live, mais si la connexion internet le permet, parce que c'est des jeux qui sont assez assez gourmands. Mais oui, on le fera pour que je puisse me faire ma propre idée, bien sûr. Je ne peux pas partir sur une idée préconçue telle que celle-ci. Oh, allez, je sais pas si c'était prévu, je sais pas si c'était ça, mais j'ai fait au pif au mètre carré. Hein. Ah, c'était prévu, mais voilà. J'ai fait le Shadow et j'ai pris du plaisir. D'accord.
Donc on le fera, je pense qu'on fera le Rise et Shadow, mais quand la connexion internet nous le permettra, bien évidemment. On le fera quand, je ne sais pas, mais on le fera. Histoire, voilà, histoire que je puisse me faire ma propre idée. Parce que malheureusement, je suis resté vraiment sur l'opus Tomb Raider, bah, le premier, le tout premier. Mais bon, voilà, le premier, bon, il accuse le coup aussi, même si c'est scénaristiquement parlant, il est pas, c'est pas mal, il y a de l'idée. Pour moi, ça manque cruellement d'énigmes. C'est trop aspect, on va dire, survivaliste, mon dieu, pam pam boum boum, infiltration. Je trouve, je vois pas de Tomb Raider là-dedans, en fait. Moi je vois clairement pas de Tomb Raider, mais bon après c'est sûr que le jeu en 720p c'est mieux. Ah bah oui. Là comment faire là en fait je pense qu'il faut que je fasse un système de machin, enfin il faut que je le casse ce truc et je suppose qu'avec le grappin il faut que je fasse quelque chose avec le grappin pin, je vais devoir faire quelque chose. Ah. Non mais dis donc, petite chauve-souris, y a qu'un chauve ici et il sourit, c'est moi. Oh, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Lara, s'il te plaît. Parce que là, si je fais ça, ah si je pouvais m'accrocher. Bon, mais ça va. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, Lara. Je n'ai rien dit. Et là, tu descends progressivement. Voilà. Comme ça. Comme dirait Michel Dumas. Super nickel. Voilà, s'il te plaît. Ouais, non mais meuf, putain. Tu grimpes des bords incroyables et magiques. Et ça tu ne grimpes pas. Hop là. Donc là non. Oui non non oui. Non, weed. Ah, bah c'est là, ok. Voilà, il fallait trouver. Non, vraiment, non, ce que je reprochais vraiment sur l'opus 2013, c'est ça, c'est vraiment le manque d'énigmes, en fait, le manque flagrant d'énigmes, c'est dommage. Hein. Moi, je joue un Tomb Raider, je veux de l'aventure, certes, mais je veux de l'énigme aussi. Je veux un petit peu me creuser les ménages, sauf que voilà, une énigme, ouais, pour moi, c'est pas suffisant. Clairement pas suffisant, pour moi c'est pas ça un Tomb Raider. Un Tomb Raider c'est ça. Là je me retrouve dans les Tomb Raider, là je dis oui. Là on essaye un petit peu de se creuser la tête, on se dit bon voilà, on tente des trucs aussi. Non. Ah, s'il te plaît Lara, ouais. Heal-toi un petit peu, un peu beaucoup même. Et là-haut, est-ce que je peux passer là-haut? Est-ce que je peux grimper là? Non, je peux pas. Je peux pas accrocher. Je peux pas m'accrocher là. Là, oui, oui.
Ah bah oui. Non Lara, il y a un petit bout là. Il y a un petit bout de gravier là. Oh putain. Non par contre la caméra aux fraises. Plutôt cool mais bon quand même. La cam PS2, ah ouais non mais c'est clairement la cam PS2 quoi. Le pire c'est quand même, je rappelle, là nous sommes quand même sur format Xbox 360, enfin on est sur la gen PS360. PS3, Xbox 360. Mais le pire dans tout ça, c'est ça, c'est qu'il te donne du coup le format, on va dire le format PC. Ça c'est le format PC, Master Race, je le rappelle. Et ben même là, ils sont même pas fichus, toi, de le refaire convenablement, quoi, de l'adapter convenablement sur. Ils savent qu'il y a des bugs. Alors patchez-le le jeu. Bon Lara ça suffit. Ça suffit les conneries là. Putain elle arrête pas de se fail. Elle arrête pas de fail. Ah, j'allais dire quoi? Pardon, le grappin. Oui. Qu'est-ce qu'il fait le PNJ? Bon, on va abréger ses souffrances. Pusher. Ah lui, il se fait tirer dessus. Oh, me tire dessus, je sais pas d'où ça vient. Ah! C'est bon, ça y est, on est fini. Alors, où est la moto? Où est ma moto? J'ai laissé un peu plus haut ma moto ou où est-elle? Je suis pas venu à Pince là, si? Ah si! Ok, d'accord. Et pourquoi pas? Parce que là, évidemment, il va falloir qu'on revienne avec la moto, hein. YOLO! Ah, passe! Je serre toujours les fesses sur ce genre de passage. Parce qu'on ne sait jamais. Même si vous avez le bon élan, si vous n'avez pas le bon angle. Bah, le jeu ne va pas considérer que vous êtes dans l'alignement. Donc du coup, vous allez l'avoir dans le cul. Alors là, je vais mettre la moto parce que je sens le bon gros truc arriver. Tu sais, la bonne course contre la montre arriver là. En disant, ah oh, ben voilà, c'est ouvert mais pour un temps, hein, il faudrait que tu te bouges le cul, hein, sinon il y a tout qui se ferme. Hein. D'accord, oui Lara, c'est très bien. C'est intéressant Lara.
Bon, déjà, tu vas me dégager ce gros cube là. Parce que ça m'a tout l'air de te gêner. Merci Lara. Ah bah voilà. Donc on va remployer la même strat que tout à l'heure. À savoir, on va mettre ça ici. On va fermer le disque. On va ouvrir là. Oui Lara, oui. Oui, oui, aussi les bugs. Les bugs d'image. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, et là. Clac, comme ça, comme ceci. Oui Lara, c'est très bien de mettre des coups de pied dans le vent. Félicitations Lara. Là, on va fermer. Oui Lara. Oui, oui, c'est très bien. Allez, je file la plus. Yes. Ben, merci d'être passé. Tout à l'heure, si tu live, qu'est-ce que tu vas faire comme live, Doc? Tu vas streamer quoi? Que vas-tu streamer de beau? Enfin, si tu streams. Star Wars Fallen Order. Oh, pas mal, pas mal du tout. Ah, bah comme d'habitude, hein, on viendra voir. Ah, ça va être sublimé avec cette nouvelle CG. Cette nouvelle CG va sublimer Star Wars. Que la force soit avec toi, jeune Padawan. Côté très épique de la musique là. La 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 la. Oh là là, mon Dieu! Des hiéroglyphes mayas. Des hiéroglyphes mayas. Le lieu de la peur. Le lieu de la peur. L'au-delà maya. La 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 la. Le serpent de Midgard. Là, ça fait quoi ce levier là? Monsieur levier. Ah, il va falloir la tête. Ah ouais, normal. Faut pas être con non plus, hein. Faut pas être contrariant. Ouais, quand même. C'est hasard. Vous l'avez ou vous l'avez pas la ref, hein. La 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 la. Alors, est-ce qu'on a des petits secrets? Oui, on a un petit secret. Cool, le petit secret. Le petit secret qui se crée. Donc là, il faut... Ok, donc il faut y aller en moto.
Mais évidemment, le jeu nous a pas précisé qu'il fallait prendre la bécane. Donc du coup, je suis allé à pied. Comme un gentil que je suis. Allez, let's go. J'aime pas trop les phases en véhicule dans les Tomb Raider, j'aime pas trop. Ce à cause de Tomb Raider 3. Les vrais savent. Les vrais savent ce à quoi je fais allusion quand je parle de Tomb Raider 3. Et des fameux passages en véhicule dans les Tomb Raider 3. Non, Lara, s'il te plaît. Non, mais Lara! Ah, je comprends ce que tu veux faire. Ok, j'ai compris. I capiche. Putain! Grimpe! Voilà. Oh! What is it? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est sérieux là? Bonjour. Voilà, calme-toi s'il te plaît. Arrête d'essayer de mettre des coups de pied partout. Arrête de vouloir mettre des high kicks un peu partout. C'est relou. Bonjour, soit la cité de la mort. Les et pas la cité de la Cibalba peur. Se seraient amusés à tuer leurs visiteurs en les envoyant dans des salles piégées. Wow! Ouais, on va se calmer. Donc là, il faut que je récupère des sceptres. Il faudra que je fasse des salles piégées. Pas terrible, hein. Parce que là, les salles piégées, elles sont pas ouvertes. On va grimper, on va aller voir un petit peu ce qui se trame là-haut. Bon, c'est bien, c'est que par contre il y a bloc de merde, il y a bloc de trousse de secours, ça c'est cool, c'est très bien. Alors Lara, s'il te plaît, calme-toi. Trousse de secours, c'est pour ça.
pas utilité, hein. Ah, voilà. Donc on ramène les sceptres. Les sceptres d'autocar. Allô ? Ah. Voilà, merci. Donc là, c'est la salle rouge. Ah. Mais arrête ! Donc là, pour l'atteindre... Pour l'atteindre, il va falloir que je grimpe. Ouais, il va falloir grimper, on n'a pas le choix. Bon, je voulais essayer de passer par là, mais au final, c'est pas une bonne idée. Donc on va passer par ici, parce que apparemment c'est le seul moyen de pouvoir atteindre cette salle. Ah là là, faut faire le tour. Là. Hop là, voilà. Là, il faut qu'on se mette bien... Bien dans l'axe. Voilà. Là, on descend. Voilà, hop là, on remonte s'il te plaît. Eh oh ! Calmos ! Calmos, Miss Croft ! Non, vraiment, faut se calmer. Elle m'a fait flipper cette gourgandine. Ah mais oh, ça va pas du tout hein. Voilà, non 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 non, Lara, s'il te plaît, calme-toi. Ça suffit. Voilà, Lara, je vous demande de vous arrêter. Et en guise de protestation, ça sert à rien de passer. Putain, mais c'est pas vrai! Oh! Voilà! Putain! Mais ça servait à rien de passer à travers les textures! En guise de protestation! Ah, ça sent la petite merdouille là. Bon, par contre, il y a un bloc de secret. Voilà, il faut pas se louper. Hein. Là, il faut pas se louper. Hein. Ah voilà. Super pour le petit secret. Hein.
Du coup, j'ai pas le choix, je dois faire ça. Je dois attendre qu'ils arrêtent de souffler. Voilà, donc je me mets à ce niveau-là. Je grimpe. Ah! Bon, j'attends qu'il ait fini de souffler, lui. Hein. Souffle. Ouais, merci. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez quoi? Bon, je pense qu'on va... Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va sauvegarder. Allez, est-ce que je peux sauvegarder? Merci. Merci le jeu. Est-ce que je peux sauvegarder, s'il te plaît? Et voilà, on va s'arrêter là, parce que ceci, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, une bonne petite session. Mais voilà, on va pas non plus tout dévoiler, hein, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Puis bon, ça fait quand même déjà 2 heures qu'on fait du stream. Et c'était plutôt pas mal. Allez, on va aller checker qui on peut les raids. Non, on va les raids, comme d'habitude, Doc Elec. Et on va aller les raids. On va les raids de notre ami Doc Elec, parce que Doc Elec a besoin de vous, parce qu'il est près de l'affiliation. Donc là, et oui. Et du coup, il manque encore quelques petits followers. Alors, allez, let's go. On va raid. Bon, oui, la commande. Mais surtout, on va regarder le planning pour demain. Demain, 19h, voire même un peu plus tôt, même je pense, c'est 18h30. On fera un petit Animal Crossing. On continuera Cap Hill Air, notre fameuse nouvelle île sur Animal Crossing. Voilà, bah écoutez, c'était Foils. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous rejoindre également sur le Discord qui est ici. Le Discord pour avoir toutes les infos, tous les éléments concernant la chaîne. Allez, let's go chez Doc Elec. C'était Foils, à demain, ciao ciao.